Bonjour, je m'appelle Axel Ringozen, je suis un promo 2019 de SMECA et maintenant ça fait 3 ans que je travaille dans une start-up qui s'appelle Decia Technologies. Beaucoup de travail d'équipe, en petits groupes, où on doit faire appel aux connaissances de chacun. Un gros point aussi positif que je retiens, c'est l'expérience à l'étranger que j'ai pu avoir. Je suis parti aux États-Unis par exemple. La vie associative aussi qui est très présente à SMECA, avec beaucoup d'événements et beaucoup de forums en général. Je suis dans une start-up qui s'appelle Decia Technologies, dans laquelle on fait des bots. Donc des bots, c'est simple, c'est des petits automates en Python qui vont permettre de simplifier le travail de l'ingénieur, d'automatiser des tâches comme la conception, la simulation ou encore l'optimisation de ces produits. Et on propose tout ça en fait dans une plateforme web facile d'accès pour tous les ingénieurs pour qu'ils puissent améliorer leur efficacité au travail. Tout d'abord, dans votre recherche de travail, trouvez une entreprise qui vous plaît avant de trouver un poste qui vous plaît, car une fois dans l'entreprise, vous allez pouvoir évoluer et accéder au poste qui vous tient le plus à cœur. Un deuxième conseil que je peux vous donner, ça serait de mettre en avant votre envie d'apprendre. Évidemment, vous sortez d'école, vous n'avez pas des connaissances très étendues sur tous les domaines, donc montrez que vous avez cette envie d'apprendre et c'est ça qui va faire la différence. Lors de vos entretiens, mettez en avant vos expériences personnelles, que vous avez des projets que vous avez développés de votre côté. Les TP que vous avez fait à SMECA en groupe, c'est ça qui va vous démarquer des autres étudiants. Vous avez fait plein de choses qui sont propres à vous et c'est ça qu'il faut mettre en avant.